l'amour comme promis, je suis allée à la poste pour envoyer une première partie de vos colis. Et là, je suis en train de terminer d'autres commandes. Vous voyez là, par exemple, je suis en train de faire la commande de fleurs. Voilà. Et après, j'envoie le reste de vos colis. Et en plus, je viens de me rendre compte qu'il me restait un manteau Stella en couleur crème en L que je n'ai pas mis en stock. Donc, en fait, il va en rester plus qu'un. Je le mettrai en stock quand je rentre chez moi avec l'ordinateur. Et faites vite parce qu'il n'y en a plus qu'un. Voilà. Donc là, je suis en train de préparer. Elle m'a fait une jolie commande, ma petite fleur. Du coup, mes chéris, je voulais également vous montrer la doudoune Ali avec la capuche. Regardez, en noir. Elle est de retour l'année dernière. Vous l'avez adorée. Voilà, capuche. Pareil, hein, y a un petit stock, comme vous pouvez le voir. Parce que j'ai... Enfin, clairement, j'ai pas trop le temps. Donc, voilà, la doudoune Ali est de retour. Donc, si jamais elle vous plaît, faites vite. Parce que, pour le coup, elle va être très, très vite en rupture de stock. Voilà, la doudoune Ali en couleur noire. Elle est trop belle. J'adore, je vous mets le lien. Plusieurs à m'avoir envoyé des stories polémiques entre Baby Breza et Capucine à Nave. Alors, déjà, on peut avoir des avis différents. Il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont pas aimer cette machine. Moi, je fais partie de celles qui ne peut pas s'en passer. Maintenant, ce que je ne supporte pas, c'est quand une influenceuse utilise son pouvoir de nuisance sur une marque et que c'est pas justifié. Je vous explique, en fait, cette machine, quand on sait comment elle fonctionne, c'est très simple, il n'y a pas de souci, ça va pas tuer votre enfant. Donc là, vous avez un réservoir d'eau avec minimum et maximum. Donc, quand vous... Bon, comme je vous ai dit, je vous ferai une petite story sur Baby Breza ce week-end pour vous expliquer mon mécontentement. Mais là, je suis obligée de réagir par rapport à la vidéo de Cindy, clairement qui en plus qui cite mon prénom et qui se dit choquée par mon intervention et choquée par le fait que j'utilise mon pouvoir d'influenceuse pour dénigrer une marque. En fait, j'utilise mon pouvoir d'influenceuse, ma belle, par prévention. Parce que moi, Lola, du coup, voilà, elle prenait 15 grammes par jour, ce qui est le minimum. C'était assez dangereux entre guillemets parce qu'à partir du moment où un bébé ne prend pas assez de poids, ça devient dangereux. Donc effectivement, ça ne va pas tuer votre bébé, mais je suis très contente d'avoir fait cette vidéo et d'avoir utilisé mon pouvoir d'influenceuse en prévention parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont appelé justement depuis ma story pour me dire merci parce que je ne savais pas que j'étais en train de nourrir mon bébé avec les mauvaises doses. En plus, il y a certaines personnes qui utilisent des biberons qui sont opaques. Donc moi, ça va, j'ai eu de la chance d'utiliser des biberons transparents, donc je m'en suis rendue. Et j'ai fini par me dire, c'est bizarre, je trouve que mon biberon est un peu clair. Mais bon, j'avais confiance en cette machine, puisque je me disais, c'est une machine, t'appuies sur play. Surtout qu'avec les spatules, en plus, bah forcément, ce n'est pas un niveau. Donc après, tu secoues ta Baby Breza, tu te rends compte que la poudre, elle est en dessous de minimum, alors qu'une seconde avant, c'était au-dessus, à cause de la spatule, qui ne met pas ta poudre à niveau. Enfin bref, encore une fois, c'est mon avis. Je vous mets en garde sur la Baby Breza. Je vous referai une vidéo... plus longtemps ce week-end pour vous expliquer parce qu'aujourd'hui clairement j'ai pas le temps, mais je tenais vraiment à répondre à cette Cindy qui n'y va pas de main morte sur ses propos dans ses stories, voilà, et je trouve que c'est un petit peu choquant. We are the ones who make a brighter day, so let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our own lives. Il faut absolument que je vous parle de l'offre qu'il y a actuellement sur le site TweetCheck. En plus, j'ai eu pas mal de messages pour me demander si j'avais un code. Je vous ai répondu pour la plupart. Patientez, puisque bientôt j'aurai un code. Et bien, le voilà. Mais juste avant, je vais vous montrer. Regardez, j'ai un tiroir réservé à TweetCheck. Regardez, j'ai tout, tout, tout bien. Voilà, ça, c'est la vie. Ça, je vous explique. Les petites assiettes comme ça avec le... avec le petit tapis, ça c'est trop bien, vous pouvez dire au revoir aux assiettes qui volent pendant que vous donnez à manger à bébé, c'est trop bien parce que vraiment ça se clipse à toutes les surfaces avec aspiration, donc je vais vous montrer sur la table, c'est vraiment bien, ça tient parfaitement bien. Alors regardez, je vous montre, vous mettez le petit tapis comme ça, là vous voyez ça ne bouge plus, vous avez juste à le poser, d'ailleurs pour hop, pour le décoller il faut y aller, donc bébé il n'aura pas cette force du tout. Là vous prenez la petite assiette qui peut également servir de tupperware, donc ça c'est génial puisque vous avez le couvercle, donc ça peut vous servir pour petite boîte. Voilà, hop, vous clipsez comme ceci, vous tournez et là regardez, ça tient parfaitement bien. Et donc du coup quand bébé va manger, et ben ça va éviter d'en mettre de partout, parce qu'en général un bébé avec ses mains ça va en mettre de partout, et bien là non, puisque c'est parfaitement bien collé à la table.
Et je vous montre aussi, il y a certaines assiettes que vous pouvez utiliser en boîte lunch pour mettre les petits repas du midi à amener à l'école. Voilà, ça c'est top. Ça se referme comme ceci. Vraiment, je trouve que c'est génial. J'ai vraiment hâte que Lola soit grande pour pouvoir vous filmer ses repas et vous montrer que c'est incroyable. Alors, vous pouvez en plus le mettre dans le sens que vous voulez. Hein. Vous pouvez le mettre également comme ça. Hop. D'ailleurs, c'est comme ça, je l'avais mis à l'envers. Hop. Et voilà. Et là, il y a tout qui est bien collé. Franchement, mais ça, c'est un de mes produits préférés sur Twitch. C'est trop bien. Et regardez, vous pouvez voir que en plus, ça peut aller l'un sur l'autre. Vous voyez ? Voilà. Vous pouvez les empiler. Donc, autre chose que je vais vous montrer, c'est l'élément indispensable à avoir chez Twitch. C'est la baignoire pliable, antidérapante. Regardez. Fait avec des matériaux qui sont sûrs. Ça, c'est trop bien parce que c'est un gain de place de ouf. Ça rentre parfaitement bien. C'est le top. Regardez, hop, vous appuyez. Ça va déplier la baignoire. Comme je vous dis, c'est top. Regardez, vous avez le petit tapis antidérapant. La baignoire, elle peut contenir jusqu'à 30 litres d'eau. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous en servir l'hiver pour donner le bain, comme été pour donner le bain, mais aussi pour rafraîchir bébé en été. Ça peut faire une mini piscine parce que ça contient 30 litres d'eau. Et regardez, vous avez également le petit coussin hyper confortable. Alors moi, j'attends que Lola, elle fasse 5 kilos pour pouvoir la mettre sur le coussin parce que là, elle est encore un peu petite. Mais il est vraiment hyper confortable et en plus, c'est fait avec des matériaux sûrs. Enfin, vous avez le petit rinceur. Donc ça, c'est idéal pour que bébé s'adapte à l'eau progressivement, vous voyez, pour quand vous lui lavez les cheveux. Moi, vraiment, c'est trop bien avec Lola. Comme ça, je ne l'agresse pas tout de suite avec l'eau. Hop, je le mets tout doucement. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Regardez ça aussi, comme c'est trop cute. J'ai trop hâte qu'elle ait la bonne taille pour pouvoir lui mettre. Donc comme je vous ai dit, mes chéris, vous avez moins 20% qui sont cumulables au moins 50% sur le site. Vous pouvez accéder à l'offre directement en cliquant sur le lien ou en utilisant 20 capucines à nav off. Voilà. Non, mais regardez les deux mamies, là. Les deux mamies, déjà. A esos rincones donde os juntabais para daros ánimos, para aprender a ser más fuertes y no rendiros.